Bonjour à toutes et à tous. Alors, comme je vous l'avais dit dans mon post, j'ai reçu mon colis de chez Amazon. Donc, je l'ai reçu hier, mais j'ai attendu samedi après-midi pour faire une vidéo. Donc, je vais l'ouvrir avec vous et avec Indra qui est à côté de moi, qui fait sa sieste de l'après-midi. Aujourd'hui, il ne fait pas très beau. C'est un temps à Diamond. Voilà. Donc, c'est un 45 ans. Oula, un coup de carton pour ça. Donc, allez, on met le carton là. Donc, je vais l'ouvrir devant vous. J'espère que je ne vais pas être déçue. Alors, normalement, on a toutes les petites choses dedans. Et alors, ce que je redoutais, je n'ai aucun sac plastique pour mettre les diamants. Contrairement à l'autre que j'ai reçu, que j'ai payé moins cher. Et ben, ça va m'ennuyer fortement parce que, en fait, moi, je n'ai pas de boîte. Et alors là, je vais découvrir en même temps que vous. Hein. Wow. Il est magnifique. Il est trop beau. Voilà. Ben, je voulais faire en direct. Ah, il est beau. Hein. C'est des... Ça s'appelle des diamants qui sont carrés. Pourquoi il y a du carré et des ronds? J'ai des ronds et des carrés, c'est normal. Attends. Alors, je vais l'ouvrir. Comment ça s'ouvre? Comment ça s'ouvre? Normalement, il y a un petit truc. Voilà. Hop. Je vais donc sortir les diamants et je regarde. Ah non, c'est des carrés. C'est la première fois que je fais des carrés. Alors par contre, il y a combien de couleurs? Il y en a 22. L'autre, il y en avait donc 19. Et donc, ben, je ne sais pas dans quoi je vais les mettre. Donc j'ai une petite idée. Je vais aller chercher les petits plastiques que j'ai de l'autre, que j'ai rangé. Donc je vais les chercher. Mais en fait, je ne vais pas pouvoir m'en servir parce qu'il en reste beaucoup dans les sachets. Vous voyez, j'en ai pas mal. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser dans les... Je vais séparer tous mes sachets, enfin je vais séparer les couleurs. Je vais séparer les couleurs. Je vais faire comme ça. Jaune, il n'y en a qu'une. Celui-là, il n'y en a qu'une aussi. Celui-là, c'est les mêmes. 19, il y en a deux. Donc je vais laisser les sachets. Là, il y en a deux aussi. Là, il y en a deux aussi. C'est des jolies couleurs. Hein. Ouh, franchement, elles sont très belles, ces couleurs. Donc là, il y a un. Là, il y a un aussi. Oups là, un. Un. Là, 11 et 12. Ah, je croyais que c'était les mêmes, mais non, c'est pas les mêmes. Alors, ça doit être le fond. 10, 10, 10, 10 et 10. Voilà, tout ça, je ne les détache pas. C'est tout le fond. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? J'ai du neuf, j'en ai deux sachets. Hop, là, 8, j'en ai un. 7, j'en ai un. 6, j'en ai qu'un. 5, j'en ai qu'un. 4, j'en ai qu'un. Le 3,
1, le 2 et le 1. Voilà. Donc là, j'ai tous les sachets. Donc ce que je vais faire, je vais commencer parce que oh là, il est un peu abîmé, on dirait. Bon, il n'a pas besoin. Je le mettrai peut-être non, aplati, non, je pense pas. Il est bien. Il est bien. Il n'y a pas de rivière trop. Alors oui, ce que je veux faire, en fait, c'est je regarde à quoi correspond le slash. Le slash, c'est le 10. Donc le 10, c'est le front. Donc je pense que je vais commencer par tous les slash qui sont là. Donc je vais prendre ça. Par contre, je vais ouvrir. D'accord. Où il est mon truc? Ah voilà, il est là. Et je vais me servir. Non, même pas. Si, je vais les mettre. Parce que j'ai le stylet, le petit truc comme ça, comme d'habitude. Je vais ouvrir un sachet. Cela, il y en a beaucoup. Je vais le mettre dans ce sachet-là. Voilà. Là, il reste des autres. Voilà. Donc, tous ces sachets. Ces sachets, je vais les mettre dans ce sachet-là. En sachant que c'est le. C'est le slash et donc c'est le fond. Donc déjà ça va faire un petit peu du vide parce que je suis pressée de commencer, mais en même temps je vais pas pouvoir faire beaucoup parce que par derrière je fais une vidéo de une recette Cyrilignac à ma façon qui prendra un certain temps. Donc voilà, il en reste deux. Hop. Voilà, voilà. Voilà, comme ça, j'ai tout mis. Les sachets. Les blancs. Enfin, les blancs. Ils sont gris perles. On a plus. Hop, on a un qui a échappé. J'ai jamais fait de carré, hein. Je n'arrive pas à l'enlever, avec le stylo. Hop là. Voilà. Il est rentré dedans. Donc tout ça, ben, c'est poubelle. Poubelle, poubelle. Poubelle. Voilà. Ça, c'est poubelle aussi. Et ça, c'est mon ancien. Donc, tac. Ça, c'est des petits qui restaient d'avant. Faut vraiment que j'ai une boîte. Hein. Alors la semaine prochaine, je vais chez Action. J'espère que je trouverai le pilulier. C'est pas évident. Donc, je vais remettre un petit peu tous ces sachets là-dedans. Ah, mais je peux regarder sur Amazon s'il y a des sachets. Parce que moi, les boîtes, ça m'intéresse pas plus. Pour en avoir la semaine prochaine, même pas, parce que j'avais dit que j'ouvrirais, je mettrais une pince à linge en fait pour fermer le sachet. Voilà ma foi. Donc ça, ce sont tous les diamants. Ah, j'en ai oublié deux. J'en ai oublié deux. Oh, il me tardait de le recevoir. Je l'ai commandé. Ah, je l'ai payé plus cher. Hein. Genre chez AliExpress, j'ai payé un peu des fleurs pareil. J'ai mis sur Facebook le groupe. C'est dans le même esprit, c'est des fleurs bleues, c'est pour ma chambre. Là j'en ai eu pour 15 euros, virgule, je sais plus quoi, mais c'était en prime, donc en prime ben, je le reçois quasi de suite quoi. Donc je me suis dit c'est bon, tu as fini l'autre, ben, tu vas commencer celui-là. Ouais, il y a des petites rivières là, mais ça dérange pas. Je sais pas pourquoi on dit qu'il faut tout aplatir, parce qu'en fait la toile elle est nickel, donc c'est parfait. Il est beau quand même. Hein. Il est beau. Et celui du AliExpress, donc dans la même taille, je l'ai payé 7 euros et des bricoles, mais je le reçois début février. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes dans le groupe Facebook où c'est Angélique, je ne sais plus comment elle s'appelle. Angélique, excuse-moi. J'ai montré un petit peu tous les projets que j'avais et je les ai montrés dans une autre vidéo.
avant ma recette de velouté de... Hier, on l'a mangé, le velouté d'endive et boursin. Ça y est, j'y arriverai. Voilà, donc ben, je vais peut-être commencer. Il est 15h30. Donc, je vais peut-être changer d'angle pour vous montrer un petit peu de plus près, à moins que... Non, je crois que le truc, il va partir, là. Non, je peux pas. Je peux pas. Quoique. On voit, là, comme ça. Ouais, mais c'est un peu loin. Mais je peux montrer quand même de loin. Donc, je prends le nouveau, parce que forcément, j'ai envie de me servir du nouveau. Voilà. Alors, il faut que juste je trouve le sens pour l'ouvrir. Voilà. Là, c'est le même que l'autre. Voilà, le petit truc de colle. Donc, je vais commencer par là. Bon, en général, ben, ça tient bien. Hein. Ça tient bien, il n'y a pas besoin de petit aimant. Ah si, il y a besoin peut-être de petit aimant. Mais bon, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la télécommande. Voilà, donc je vais mettre un petit peu de... Oh, puis alors, j'ai jamais fait de carré, quoi. Alors, c'est vraiment... Je vais en mettre un tout petit peu, voilà, ça suffit. Hop. Hop. Donc, je vais voir un petit peu. Je vais mettre, j'oublie. J'oublie de mettre la colle. Ah, j'ai une drap qui veut sortir, évidemment. Ça m'aurait étonné à chaque fois que je suis en pleine vidéo. Alors, j'appuie mon petit stylet, je tourne et hop. Et je vais lui ouvrir. Voilà, une drap est dehors. Donc, je vais voir. Ah, il y a un tour, il y a du J là. Non, mais je commence, je fais le slash. Le slash, donc c'était celui-là. Alors, voyons voir. Mais normalement, il paraît qu'il faut commencer par les bords. Avec une règle, mais bon, je pense que je suis quand même assez, enfin assez. Ah, puis là, ils sont bien, parce que je vois dans les posts, souvent, des personnes qui trouvent que le petit diamant carré est plus petit que la case. Et moi, c'est parfait, au niveau de la taille. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Voilà. Donc... ça va être peut-être difficile de faire en filmant en même temps. C'est sûr que par rapport au rond où il n'y a pas de sens, là, il faut quand même faire attention. Ouais, moi, je trouve que ça va bien. Ah, là, il y a un J. Voilà. Lâche. J'en ai pris deux. Ah, ben celui-là, je l'ai mis pas droit. Bon, heureusement qu'on peut rectifier le tir. Oui, ben c'est pas droit du tout. Voilà. Alors. J'arrive pas en faisant le téléphone. Et... Voilà, je trouve ça très joli. Ça avance doucement. Donc, je suis contente quand même de mon diamond. Il ira bien dans la chambre. Ah, par contre, j'ai pas regardé au niveau de la taille, si le bord blanc était compté ou pas. Je vais mesurer. Alors, je viens de mesurer, donc forcément, c'est avec la bande blanche. Donc, en fait, là, vous avez avec les bandes blanches 40, mais en fait, le motif fait 35. Et 45 pour la hauteur, comme ça. Et 50 en comptant le bord blanc. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais après, ça, c'est embêtant pour encadrer, je trouve. Donc là, il y a des petits trous, c'est du J. Et je me rends compte en filmant que, bon... Après, peut-être ça se met bien, mais les cases correspondent vraiment à la taille du diamant. Ou le diamant correspond à la taille du carré. Par contre, le J,
Alors, en logis, en regardant, c'est le numéro 3. Donc, je vais essayer de trouver mon numéro 3 là-dedans. Alors, j'ai remis le téléphone sur le support. Donc, j'ai trouvé mon numéro 3. Alors, le numéro 3, je vais le mettre dans mon second petit bac. Mais comme je vais ouvrir, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, j'en mets juste quelques-uns. Je vais plier. On fait les moyennes bords. Pince à linge bleu, assorti à la toile. Et je vais donc pincer le bout. Parce qu'en fait, je vois que j'ai pas beaucoup de J là. Donc, comme je vais faire toute cette partie-là, je peux me passer de petites boîtes. Donc, c'est lequel mon truc où il y a de la cire? C'est celui-là. Donc, ça, c'est le J. Donc, je mets mon petit J. Bon, c'est un gris un petit peu plus foncé. Pas beaucoup. Là. Là. Il y en a qui aiment les petits bruits que ça fait clac, là, quand on met le diamant. Hop. Voilà, J. Voilà, donc là, j'ai mis les J. Voilà, voilà. Voilà, je vous montre de plus près. J'ai l'impression que celui-là, il est un peu écarté. Ouais, un petit peu, mais bon, c'est pas dramatique, hein. Voilà, je vais continuer un petit peu. Donc, j'ai avancé un petit peu. Donc, j'ai décidé d'arriver jusque-là, en fait, de faire cette partie-là. Donc, bah, j'ai rechargé mon petit bac. Et je continue. Et c'est un vrai régal, les carrés. Ah ouais, franchement, je me régale. Vous savez quoi? J'étais en train de penser à un truc en mettant les diamants. Que, en fait, c'est super bien d'avoir la protection qui est transparente parce que constamment, on voit notre toile, on est content de la regarder, ça, c'est motivant. Alors que quand vous avez une protection blanche, ben, on voit rien. On voit rien. Alors, pour moi, ça doit être hyper long. Là, non, je peux regarder la toile que j'ai pris, les couleurs. Et encore, les couleurs sur mon téléphone, parce que c'est plus du turquoise, ça, en fait. Peut-être, non, je ne peux pas régler dans ce sens-là. C'est plus turquoise. Même en allant de près, on ne voit pas. C'est du beau, 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 beau turquoise. Voilà, c'était une petite parenthèse en faisant et je me disais que je voyais ma toile et c'était très bien comme ça, en fait. Par contre, j'étais en train de me poser une question. Celles qui font des diamond carrés, en fait, hein, les mettre, donc c'est aligné ici. Et il y a un autre stylet où on peut en prendre plusieurs, un embout un petit peu en tonnoir, là, embout d'aspirateur, voilà. Et ou sinon, elles ont une pince pour les attraper. Alors, je sais pas, je vais regarder un petit peu parce que c'est vrai que moi, je fais un par un. Bon, c'est un plaisir hein, quand même, mais voilà, j'ai vu ça, donc j'étais en train d'y penser. Un moment plus tard, je viens quand même de bien avancer cette partie-là. Donc là, maintenant, je vais m'attaquer à celle-ci. Et ensuite, suivant mal de dos, j'arrête ou je continue. Voilà, donc je vais arrêter cette vidéo. J'en ai fait un petit bout, je vais continuer. Il est 15h40. Je pense que je vais faire jusqu'à 15h, peut-être, jusqu'à 16h, peut-être 16h30. Mais ensuite, je dois m'occuper de ma nouvelle vidéo, une recette Cyril Aignac, revue et visitée par moi. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, moi, je suis super ravie de cette toile. Je ne sais pas combien de temps il va falloir pour la faire. Je pense en faisant 1 heure, 2 heures l'après-midi. C'est tout parce que le soir, je vous ai dit, je ne fais pas parce que bon, ça fait des problèmes de dos un peu quand même. Voilà, ben je me régale.
je me régale. Franchement, les carrés, en plus, ça fait hyper joli. Là, ils sont un petit peu blancs, irisés. C'est très joli. On ne le voit pas bien comme ça. Donc, il me reste tout ça à faire. Et par contre, ben, il va falloir que je me trouve vraiment une petite boîte où que je commande des sachets. Parce que pour moi, les sachets, ça me convient bien. J'ai pas envie d'investir trop, mais je pense que quand même dans ce loisir, il faut quand même un petit peu investir et c'est pas forcément d'un investissement lourd. Voilà, c'est un peu léger quand même. Voilà. Eh bien écoutez, si vous avez aimé ma vidéo, le petit pouce en haut, si vous n'avez pas aimé, le petit pouce en bas. Abonnez-vous à ma chaîne, en sachant que à la base, c'est quand même le Compact Cook Pro les recettes. De l'application Cookomix, de moi, que je glane un petit peu à droite et à gauche, donc que je vous fais partager. Et je vous souhaite de passer un excellent week-end. Pour celles qui font du Diamond, je suis sûre qu'elles sont dessus. Et, ou alors systématiquement, de toute façon, à 18h, on doit être à la maison. Donc voilà. Je regarde ça, c'est, je trouve très très joli et il me tarde d'arriver là. Donc j'ai quand même, là il me reste un petit peu, je me demande si je vais faire, oui je vais être obligée de faire comme ça parce que pour monter, je préfère que ça ne colle plus. Voilà, et puis là je vais placer ma toile de telle façon qu'elle s'aplatisse un petit peu, je ne sais pas où. Allez, j'arrête mon blabla, je vous souhaite un excellent week-end. Et prenez soin de vous. Moi, je continue ma petite chose hyper simple. Bye!